Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Millenia et on s'était laissé. On faisait joujou avec des avions et des bombes sur des pauvres petits barbares qui servaient de camp d'essai, bien sûr. Et l'Inde avait brisé sa trêve, donc je pense sincèrement qu'il se pourrait que nous déclarions une petite guerre. Parce que l'Inde m'agace. Avec des. On peut level up notre bateau. Attendez, il est où notre bateau? J'ai quoi de mon bateau? Il a notre bateau. On le level up en cuirassé, bien évidemment. Voilà. Bateau d'exploration, vous inquiétez pas. Gouvernement, parfait. Diplomatie, parfait. Ingénierie pour l'instant, non. Guerre pour l'instant, non. On en était où dans les croisés? On avait tout fini. Érudit, on peut débloquer le traducteur éventuellement. Quoique j'attends 180 et j'ai ça. Ce serait pas mal. Là, on peut accélérer. Bam, on fait un Eureka tout de suite. Bon, mes chers Indiens, c'est pas contre vous. Vraiment, mais vous avez rompu l'alliance. Donc au bout d'un moment, va falloir assumer. Hein? Vous avez décidé de faire chier. Je demande de mettre fin à la guerre. Ah, je peux l'obliger à mettre fin à... Ah oui, non, c'est... Comment je fais? Faut d'abord que j'annule l'ouverture des frontières, j'imagine. Demande de conversion religieuse, demande d'argent, envoyer un cadeau, améliorer les relations. Oui, je pense que je peux pas juste dire c'est la guerre du jour au lendemain. Donc là, à mon avis, je dois annuler l'ouverture des frontières. Commençons par lui expliquer déjà ce qu'il encourt de nous emmerder. Voilà. Bonjour. Ouais, Fukuoka va vivre de la pêche. Vos troupes sont proches de nos frontières. Et il se permet, l'Inde. Aïe, il se sent plus pissé. Non, mais t'inquiète, on va régler le problème. T'inquiète, t'inquiète. Connais-tu les bombardiers? Y a plus de camp de barbares. Ah, pourquoi on le voit encore? Étrange. Région inactive, Constantinople. Constantinople qui ne fait pas grand-chose et qui aurait bien besoin d'un réseau électrique. Ne nous le cachons pas, mais il a un petit problème aussi de religion, mais c'est pas grave. Ouais, réseau électrique. Paris. Paris, tu ne fais rien. Alors, bombardier. Mon cher Indien. Oui, c'est vrai, trois tours avant de pouvoir faire des réflexions. Des réflexions diplomatiques. Ils sont pas morts. Comment ça, ils sont pas morts? Ah oui, je peux juste taper dessus, mais ils vont pas mourir en fait. Comme j'ai personne qui y va. Ah oui, bah attendez, on va y aller. Byzance ne fait rien. Byzance, bah, tu vas me faire une société des érudits, je pense. Allez, petite société des érudits. Canterbury ne fait rien. Canterbury, toujours des problèmes de religion, mais c'est pas grave. Tu vas me faire un donjon, oui, ça peut toujours être utile. Vos troupes sont trop proches. Non mais arrêtez, par contre, je suis parti déjà depuis un moment là.
Je peux vraiment pas décharger là. En fait, je pourrais jamais y aller ici. C'est absurde. Bon, le bateau là. Clouf. T'inquiète pas, petit barbare, je suis pas là pour te casser la gueule. Bordeaux ne fait rien, la petite société des érudits, bien sûr. Du coup, là, en érudition, on peut aller faire ça. Les grandes bibliothèques génèrent également de l'XP pour tous les domaines. Et alors ça, c'est bien, ça. Ça, c'est pratique. D'ailleurs, en parlant d'XP de tous les domaines, comment se porte le crabinisme ? Ah, l'Inde se soumet plutôt bien au crabinisme. Bon, dans le coin... Ah, ici, vous ne priez pas le grand crabe. Comment ça ? Comment ça ? Merci. Alors, nous allons... Voilà. Quand même explorer toute la carte. Ici, j'ai un nouveau bombardier. J'ai un nouveau bombardier qui va être envoyé vers Toulon. Juste comme ça, par anticipation. Pareil, vous allez rester dans le coin, par anticipation. Canterbury, c'est pas mal placé, Canterbury, voilà. L'industrie est finie et du coup on peut changer d'âge. Est-ce que quelqu'un a tenté le changement d'âge ? Non, personne n'a tenté le changement d'âge. Donc pour l'instant, on s'en fout. Parce qu'en fait je passerai forcément l'âge de la fuséologie. C'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Donc là, rush l'âge de la fuséologie m'intéresse pas. Par contre on peut aller ici pousser un petit peu. Voilà, l'âge des lumières, on n'avait pas tout recherché. Région inactive, Paris, on peut améliorer du coup l'atelier en chaîne de montage. Ça va consommer un peu d'électricité, mais ça peut être bien. Bon, du coup, avec nos améliorations, là, nos recherches, on va pouvoir améliorer des trucs. Ici, il y a oui, la scierie qui pourrait être améliorée, mais attendez, faut pas convertir n'importe quoi. Ici, on convertit deux rondins en deux papiers, et on pourrait faire trois rondins en trois papiers. Donc si je fais ça, ça, et que ça je détruis, il me manque toujours un rondin. Après on a de l'exportation nationale maintenant. Il y a ça. Donc on pourrait se récupérer un rondin. On ne produit pas, bien sûr. Ah, de Bordeaux. Du coup à Bordeaux... Donc si je fais ça à Bordeaux, on pro... Là, on produit bien un de plus. Peut-être qu'il faut attendre un tour pour que ça soit efficace. On a des petits problèmes d'assainissement par contre. Et oui, en même temps le tas d'ordures n'a jamais été amélioré. Ici, on va en mettre un autre. Voilà. Par contre, on va manquer d'électricité au bout d'un moment aussi. On va se mettre une petite centrale. On l'a, la centrale ? Ah. Je suis pas sûr d'avoir la centrale. Et, à mon avis, je l'ai pas recherché. Non, s'il reste un petit bout là, voilà, il reste plus. Du coup, vous qui êtes à Canterbury, vous attendez. Mince, ça devait faire trois tours, on devait pouvoir négocier avec l'Inde. Enfin, négocier. C'est un bien grand mot pour dire leur casser la gueule.
Ils améliorent les relations avec nous. Non, pitié. Pitié, non, nous tapez pas. En même temps, c'est vous qui l'avez cherché. Déclarer les hostilités, voilà, donc ça on commence. Et il faudra encore 3 tours avant de déclarer la guerre. On peut pas déclarer une guerre en traître. Bien sûr, la Perse qui déclare les hostilités. C'est vrai que en un tour, je suis chez eux. Je peux comprendre que ça leur plaise pas des masses. C'est peuplé chez vous. Ah, ça y est, la Suède est déjà sur l'âge de la fusée au jeu. Mais ils ont déjà fait 29%. Mais non. Alors, la Suède vise la victoire scientifique. Je pense qu'il y a un moment, la Suède va falloir faire quelque chose. On a décidé de partir sur le militaire, au bout d'un moment, si on veut pas se faire dépasser... Ouais, ce peuple... Si on veut pas se faire dépasser, il va falloir... Il va falloir acter des choses pas jolies jolies, hein. Ouais. Bombardier. Bordeaux. Amélioration en chaîne de montage, bien sûr, pour avoir plus de prod à Bordeaux. Canterbury, pareil, chaîne de montage pour avoir plus de prod. Bon, j'aurai bientôt découvert tout ce côté de l'océan et c'est cool. L'âge de raison, c'est fait. Hop, on part ici. Moi, il me faut 24 tours pour la fuséologie. Il est déjà à 58%. C'est triste. Il faudrait que j'envoie un émissaire, mais il est beaucoup trop loin. J'ai pas de pied-à-terre là-bas. Il améliore ses relations. Non mais vraiment, vraiment, je suis désolé d'avoir rompu l'alliance. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, c'est la guerre. C'est dommage, hein. C'est dommage d'en arriver là, mais tu ne me laisses pas le choix. Je peux pas attaquer tes villes. Mais non, parce qu'il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur. Ou faut que j'attende un tour pour lui casser la gueule ? Connaissez-vous les 5 canons ? Hop ! Voilà, tout éclaté. Descendons nos troupes. Nous avons également notre cavalerie qui va pouvoir venir en renfort. Peut-être un peu plus sur le nord. Bonjour. Aviation française. Triste. Bien là, ils sont trop loin à Canterbury. Ah, ils sont peut-être trop loin. Pourquoi je peux pas décaler ? Il y a plein d'endroits où je peux pas les mettre. Nous allons les relocaliser à Bordeaux pour l'instant. C'est vrai que ce marchand va du coup perdre son utilité. Oh écoute, ouf. Les États-Unis et l'Inde sont désormais en guerre. Comment ça, attaque de capitale ? Sur le pauvre petit marchand là ? C'est peut-être un peu beaucoup. Nous allons avancer ici pour défendre notre base aérienne de Toulon, bien sûr. Ok, il y avait plein d'armées sur l'Est. Il y avait plein d'armées sur l'Est. C'est quoi ça ? Détruire l'aménagement ? Non... Ah oui, je peux pas bouger parce que j'ai tiré.
pourquoi ils peuvent pas. Je comprends pas là. Je comprends pas pourquoi ils peuvent pas. Nous sommes en train d'explorer ici. D'accord, fallait juste faire le tour. Ouais, je doute que vous puissiez beaucoup lutter contre ça. Vous avez survécu ? Ah non. Ça, c'est conquis. C'est parfait. Ok, ici on a un canon qui s'approche. Généralement le canon contre la cavalerie, c'est jamais fou. Paris a fait un deuxième bombardier qui ne peut pas y aller. Ah, peut-être que les villes ne peuvent accueillir qu'un seul avion et les capitales deux. Ah, ça peut expliquer. Pas grave. Voilà, nous tirons ici du coup. C'est quoi ça? C'est juste un petit fort de défense. A pu. Ah, je vous le disais, hein. Si une civilisation maîtrise l'aviation et pas une autre, c'est juste gratuit comme attaque. À Paris, on ne fait plus rien, on peut améliorer l'université médiévale en vraie université, ce qui pourrait être intéressant. Oui, hein, on s'en fout de produire des troupes, on s'en sort bien. À Bordeaux, pareil, on améliore en université. Fin de tour, non, pas fin de tour, non. Non, parce qu'ici, il faut absolument monter très vite à Constantinople. D'ailleurs, je les ai mis où, mes avions? Donc non, on a des troupes à Constantinople. J'ai rien dit, ici. Oui, bon, va juste falloir voilà, participer un petit peu à l'effort de guerre. Le gouvernement, c'est bon. Du coup, on va commencer à... Ah oui, mais non, ça passe pas là. L'as de la fuséologie est atteint par la Suède. On se sera fait battre à plate couture en science par la Suède du début à la fin de la game. La course à l'espace a débuté, construisez un centre spatial et soyez le premier à marcher sur la Lune. Nouveau gouvernement et esprits nationaux débloqués, rejoignez des factions internationales en changeant de gouvernement. Bien sûr, nous allons essayer d'accélérer, mais nous sommes tellement en retard, la Suède va faire son programme spatial. Bon, ici c'est maîtrisé. Il va falloir descendre là. Ici mes avions. Pour aller. Voilà. Sans reprendre au mur qui est là. Ok, ils sont quasi morts. Je vais y aller avec ma cavalerie. Voilà, le château a été détruit, parfait. Nous allons attaquer par là. Ça blesse bien. Je vais bouger les troupes bordelaises, je pense. Allez, on va commencer à avancer. Ici, ces troupes-là qui vont remonter. Hein.
Aïe, les canons qui vont remonter. Le bateau qui va continuer son petit tour. Vous, oui, c'est vrai que vous, on va passer par un raccourci. Hiroshima qui est bien blindé. Hiroshima qui ne va pas m'arranger. Ah, ils sont bien... bien beaucoup là-haut. Alors ça dit quoi? Vous pouvez pas frapper le même? Merci. Ici on va lancer une attaque directement. On a quelques blessés. Mais la ville est tombée. Ici nos soldats vont remonter. Parfait. Notre cavalerie qui pourrait venir en renfort ici. Ah oui, ils ont encore des archers. Oh, c'est triste. Oh, c'est triste. J'ai de la peine pour eux. Bon, après, là, nous, on va attaquer avec des Spartiates. Les fameux Spartiates de 1835. Et le Spartiate contre un mur, je suis pas sûr. J'ai rien dit. Ici j'ai mon bombardier. Mon bombardier qui pourrait être relocalisé, qui va être relocalisé à Metz, bien sûr. Région inactive ? Comment ça ? Paris. Paris, tu fais rien. Tu peux faire une académie des sciences. Limitée à une par nation. Bah oui. Let's go. Comment ça, fin du tour ? Parce que mes avions ne peuvent rien faire. Bah tant pis. Hein. Je les ai déjà utilisés au début du tour peut-être. Ouais. Il commence à y avoir une grosse ligne de front en haut. On va tout de suite redébarquer pour arriver par l'arrière. C'est très sale comme technique. Ici on vient... Ah, il n'y a rien à tirer dans la ville. Bon bah... Attaquons. Bonjour, connaissez-vous l'artillerie française? Juste un génocide. Ok, on continue de monter. Il va y avoir des murs, il va y avoir des... Qu'est-ce qu'on fait? On tente ou on attend un tour pour les bombarder? On attend un tour. Ici... À Metz, on a bien sûr un avion qui va tout de suite attaquer la ville. Qui n'a pas de défense anti-aérienne. Ici, on va sur eux avec leurs arcs. J'ai perdu des cavaliers. Pas grave. C'est pour les amocher avant que le gros de l'armée arrive. Voilà, nous sommes rentrés. Vous y retournez. Ok, la ville est tombée. Ici, les avions ne peuvent rien faire. On va essayer de les rapprocher peut-être à Constantinople. Byzance ne fait rien, Byzance va plutôt bien. On va mettre des défenses anti-aériennes, on est en train de voir à quel point ça fait tout les défenses anti-aériennes. Bordeaux ne fait rien, Bordeaux pourrait faire une base militaire immédiatement, bam. Un grand théâtre, bam. Une trésorerie, bam. Voilà, Bordeaux s'est plié. Bordeaux va manquer d'assainissement. Ok.
Et on pourrait commencer peut-être. Est-ce qu'on commence à faire du char? On a commencé à faire du char. Hein. On a dit Bordeaux manque d'assainissement. Bordeaux manque d'assainissement. Et c'est vrai qu'à Bordeaux, ici, on pourrait transformer deux rondins en papier. Donc je pourrais techniquement faire sauter celui-ci en améliorant ici, en améliorant ici. C'est parfait. Et Bordeaux manque d'assainissement. Donc là-bas, on va mettre une poubelle. Voilà. Est-ce que je peux faire autre chose pour Bordeaux? Bordeaux, ça dit quoi? L'assainissement, c'est pas mal. Usine à papier. Ah, on n'a plus l'importation étrangère. Ah ben non. Parce qu'en fait, la seule importation étrangère qu'on avait, c'était avec l'Inde. Et il n'y en a plus d'importation étrangère. Bordeaux manque de rondins. N'en dites pas plus. Bordeaux ne manque plus de rondins. Cuisine. Ah oui, non, on n'a plus assez de. J'ai l'impression qu'il gère plutôt bien la répartition automatique. Hein. Je pense que je pourrais juste décocher et il va gérer. Hein. Bordeaux est pas si mal comme ça. J'ai trop de papier. J'ai beaucoup trop de papier là. Je sors encore 5 papiers. Attendez, il faut trouver. Ah, ça, c'est des usines à papier. J'en rase une. Voilà. Et je produis encore 2 de papier. Ici, on convertit un papier en un livre. Ce qui fait du savoir, du luxe. Il est pas mal. Il n'y avait pas un peu mieux. Il y a le salon littéraire. Demande des besoins. Travail de spécialiste, ouais. Bon, on peut faire une presse. On va même en faire deux, techniquement. Voilà, et là on produit des. Ah oui, des textes religieux. On produit de la laine. La laine qui pourrait être utilisée dans une usine textile, non? Ah. Convertit 4 laines en richesse. On fait 4. Voilà. Pense que c'est pas si mal. Clairement. Ça me paraît un peu équilibré tout ça. Bordeaux est bien. Je crois qu'il y a quelqu'un qui croyait pas au crabinisme, voilà. Ah, c'était pas ça là. Célébration religieuse, voilà. Chez les érudits, on pourrait finir ici. On va faire ça et ça, voilà. On a fini les érudits, ce qui est parfait. Paris. Paris, on peut accélérer le bâtiment. Et est-ce qu'on ne partirait pas sur du bateau? C'est vrai qu'on ne contrôle pas du tout les océans. J'ai bien envie de faire des avions. Ouais, il me faut des avions classiques aussi hein, pour me protéger au cas où. Mais écoutez, vous savez quoi? Tac, nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.